لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ زليف بيانفنو سيغ ماشين مون بروف اديستانس Euh, dans cette deuxième partie de notre leçon addition et soustraction des nombres décimaux relatifs, on va voir le deuxième paragraphe, soustraction de deux nombres relatifs. Activité 2 et 4, page 71. Donc, euh, voici notre activité 2, page 71. Notre paragraphe, c'est la soustraction de deux nombres décimaux relatifs. Kenza habite au troisième étage. Kenza, Ketsukunf, 3 troisième étage. Pour se rendre au premier sous-sol... Il y a le sous-sol, premier sous-sol. Voilà, regardez. Il le rez-de-chaussée. Il y a zéro. Voilà. Il y a l'immeuble, l'Aymara. Le premier étage, deuxième, troisième, quatrième. Celui-là s'appelle le sous-sol, le premier sous-sol. Le deuxième sous-sol, au va dire. sous-sol ou avec la cave. Fin que une... le la voiture. y a parking. Vous savez, il y Donc, c'est moins. Donc, bien sûr, c'est comme si on a euh, une droite graduée Donc, on a 0 y On a un, deux, trois, quatre, cinq, etc. On a un sous-sol sous le au-dessous de 0, on, on, on dit qu'on a moins 1, etc donc il euh, doit donc y a sa knep troisième étage yeah? donc what il veut se rendre au premier sous-sol le premier sous-sol il y a ni moins 1. elle premier sous-sol Elle doit descendre quatre niveaux voilà un niveau. Deuxième, troisième, quatrième. Donc, on peut traduire cette situation par... Regardez, qu'est-ce que c'est Donc, c'est comme si on a calculé l'écart, la différence. La différence entre quoi? le sous-sol... Et troisième étage, et on a là plus 3. Donc la différence entre moins 1 et quoi Et 3. Donc la différence égale à quoi À moins 4. Donc euh, comment on peut traduire ça La différence, c'est quoi C'est qu'un euh, goulot... ليتا فينال موان ليتا انيسيال دونك هادي ليتا فينال دونك غادي نقولو فينال كنسميوها الحالة الأصلية الحالة يعني النهائية هنا ايتا انيسيال ليتا انيسيال يعني الحالة الأصلية صافي دونك كناخذ دائما الا بغينا نحسبوا لا ديفيرونس من, دي من طبيعه الحال كناخذوا الحاله الاصل الاصليه النهائيه ناقص الاصليه كتعطينا الفرق وهنا تنعرفوا واش زدنا ولا ولا نقصنا اسكونا اه... اسكونا اللي اسكو اسكونا ديسونديو سونديو او بيان اسكونا مونتي واش نزلنا ولا طلعنا دونك غادي بيان سور حنا راه Donc, on a moins 1, moins 3. Donc, on a moins 4, moins 3. Donc, on a moins 4. Vous savez C'est la différence que ça fait moi. Comment on a trouvé moins 4 Donc, moins 1, moins 3. On est en train de faire euh, l'opération de la soustraction. Donc, euh, bien sûr, après, on va, on va voir la règle comment. Donc, on a la règle après. Vous savez? Donc, il a l'état final, l'état initial, Qu'est-ce qui se passe? Donc, euh, on a descendu, il a descendu de 4 étages. Regardez, sa maman garde sa voiture au parking du sous-sol. Donc au quatrième là, donc elle est moins un. Elle prend l'ascenseur pour se rendre au quatrième. quatrième. Donc il a quatrième. Qu'est-ce qu'on va dire Donc qu'est-ce qu'il a fait Donc il a a monté de combien d'étages Combien Cinq étages. Voilà une, deux, trois. Quatre, cinq. Donc, moins 1, tel plus 4, la radite l'aide. ça. 5. Mais comment on va exprimer ça L'état final, c'est plus 4. C'est-à-dire, on a plus 4. Moins quoi L'état initial. La différence entre l'état final et l'état initial. Égal à quoi Égal à 5. Donc, regardez. Cette différence-là égale à moins 4. Et cette différence-là égale à 5. Ça y est. Donc, euh, le niveau, de combien de niveaux euh, monte-t-elle Donc, il monte de 5 niveaux. Comme niveaux. niveaux. Plus 5. C'est ça. Donc, maintenant, euh, on va passer. A. Ah, l'activité 4, page 71. Euh, compléter. La question c'est de compléter le tableau suivant en utilisant l'activité précédente. Que on C'est quoi Ici, qu'est-ce qu'on va faire D'ailleurs, l'activité précédente, c'est l'activité 2. Hein? Il veut dire l'activité 2. Donc regardez, on a ici A. Et B. Ici dans cette colonne on a A moins B. Cette colonne, on va déterminer moins B ici, la somme de A et moins B. Donc ici on a A et B. Donc on va calculer la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire ici on va écrire le résultat de la différence. Le fark mèbine. A ou B. On a moins 2. Moins 5. Moins 2. Moins 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'est quoi C'est la différence entre moins 2 et 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser là, comme ils l'ont dit ici, l'activité précédente. On va, par exemple, supposer que ici, c'est le rez-de-chaussée, c'est 0. Euh, on va trouver la différence entre moins 2 et 5. 5, il est. Bien sûr, au-dessus de 0. Voilà. 5, il est là. 0, il est ici. Moins 2, il est au-dessous de 0. Voilà. Donc, moins 2, moins 5. C'est comme si on va euh, calculer la différence entre moins 2 et, et 5. Qu'est-ce que ça veut dire? On va considérer moins 2, c'est l'état final. Et 5, c'est l'état initial. Il y a moins 2, il faut l'aider là. Là, yani yani euh, yani le 2. 2. sous-sol. Le deuxième sous-sol. savez donc, donc, moins 2 et 5. Quelle est la différence Donc, qu'est-ce qu'on a fait De 5, on va descendre jusqu'à moins 2. Donc, on va compter. On a combien quelle est quelle est la différence entre ces deux-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a descendu. Donc, qu'est-ce qu'on a dit euh, tout à l'heure? Cette différence-là, toujours, elle, elle euh, détermine la différence entre l'état final et l'état initial. Il y a l'état final. Il y a l'état initial.

soustraction, Donc, 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 on a cette différence. 1 moins moins 2. Regardez bien. C'est la différence entre 1 et moins 2. Donc, 1 c'est l'état final. Donc, voilà y 1, il est ici Et moins 2 il est là. Donc, il y a il donc qu'est-ce qu'on a fait? On a monté, hein? Donc là, on a 1, 2, 3. Donc, ça va donner 3. Donc, regardez, donc, Adinkau plus 3. Voilà. Donc ici, on a 3 et 5. 3 moins 5. Regardez, 3 moins 5. On a, par exemple, ici, 3. Ici, on a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah voilà, 5. Donc. Euh, 3 moins 5, qu'est-ce que ça veut dire Regardez, 3 moins 5. Voilà l'état final, voilà l'état initial. il y a le halal l'akhira il y a le halal oula. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Donc, il a quand y a 3 ou le halal l'akhira et Donc, c'est moins 2. Donc, 3 moins 5, on va écrire moins, moins 2. On a moins 3 moins 2. Donc, on va écrire la différence. Moins 3, moins, moins 2. Les, moins 3, c'est quoi, moins 3? Ici, si c'est moins 1, ici, si moins 2, c'est si moins 3. Moins 3, c'est l'état final. Et moins 2, c'est l'état initial. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Donc, l'état initial les, final, c'est moins 3. Donc, on a des... Descendu. Donc, Nzned, Nbwed, il y a ni moins, moins 1. La différence, c'est moins 1. A et B. Donc, ça, c'est très facile. 4 moins 1. Donc, on a ici 1 et on a 4. Donc, l'état final, c'est 4. L'état initial, c'est 1. Donc, l'état initial, c'est 1. Donc, l'état initial, c'est 1. Donc, l'état initial, c'est 1. D'ailleurs, 4 moins 1, c'est normal. 4 hein? moins 1, c'est 3. Il 4 moins 1. Moins B. C'est quoi moins B Si vous vous souvenez, moins B, c'est l'opposé de B. Donc, l'opposé de B, c'est quoi L'opposé de B. B, c'est 5. Donc, moins B, ça va être moins 5. Si B est moins 2 c'est moins b avec comme moins b on lit on lit moins b moins et on dit aussi l'opposé de b alors lorsqu'il s'agit des lettres c'est j'ai dit ça dans la, la, la leçon des les, les nombres décimaux relatifs la, la présentation mais les, les les nombres relatifs j'ai dit que il vaut mieux de dire j'ai pas de dire moins b mais aussi, il ne faut pas oublier que moins B, c'est l'opposé de B. Donc si B est 5, c'est moins B c'est quoi Si B moins 2. Donc c'est quoi l'opposé de, de moins 2? C'est plus 2. Ou, je m'excuse, c'est 2. Ou bien plus 2. 5. L'opposé de, de 5. C'est l'opposé de B. Dans ce cas-là, lorsque B est égal à 5, c'est moins 5. Moins 2. Quel est l'opposé de B si b égale à moins 2, ce qui est son opposé. C'est 2. Qui est l'opposé de 1? C'est moins 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer A et moins B. On va faire la somme de ces deux-là, de ces deux colonnes. Ada. A na moins b. Donc moins 2 plus moins 5. Regardez, je vais écrire ça d'abord. Moins 2 plus moins 5. Là, il ne faut pas oublier ce qu'on a vu. Non, on a vu l'addition des nombres relatifs. L'addition. Ces deux nombres, ils ont le même signe. Ils sont tous, tous les deux, ils ont le même signe. Moins. Le signe moins. L'addition. Qu comment on effectue l'addition Le signe des deux nombres et on fait la somme. Des distances. Quand on le signe, l'échara a dit, il y a moins de juge, il y au moins de la somme. Et on additionne leurs distances. Donc, moins ça va donner moins 7. Regardez, ça va donner moins 7. Moins 7. 3 et 2. Non, je m'excuse. Moins B et A. Donc, toujours, on va ajouter. Ou bien on va additionner A et moins B. A, -A, a moins B. Ou 2. 1 plus 2, c'est facile. 1 plus 2, c'est 3. Hein? 3. A c'est 3. Et moins B c'est moins 5. 3 plus moins 5. 3 plus moins 5. Ici, on a la somme de deux nombres qui ont des signes contraires. Il y a des signes différents. Ou des signes contraires. Il y a euh, ouais, positif ou l'autre négatif donc le signe le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 il va être euh, c'est le signe moins et on va soustraire les les, les distances la plus petite on va la, 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 la soustraire de la plus grande donc on va euh, avoir moins moins deux, moins deux. maintenant à c'est moins 3 et BC 2. Moins 3 plus 2. On est en train de réviser le, le chapitre ou bien le paragraphe. Le premier paragraphe. Il y a l'addition. Moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2, c'est quoi C'est moins 1. Vous savez pourquoi Parce qu'ils ont... Des signes contraires. Donc, on a le signe moins. Et on va soustraire les, 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 les distances. Donc, on va avoir moins 1. Ici, qu'est-ce que je vais écrire la, 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 la somme de 4 et moins 1. 4. Il est, est à moins 1. Le signe, c'est le signe de 4. Parce que c'est 4 qui a est, qui est la plus grande distance à 0. C'est plus. Et on va soustraire les... Les distances. Donc, donc, on va avoir plus 3. Maintenant, après avoir donc on a, on a complété le tableau. Ici, on a utilisé l'activité précédente, la colonne, on a utilisé le paragraphe numéro 1, l'addition de deux nombres décimaux relatifs. Faites attention. Euh, après avoir observé la colonne de a moins b et de celle de a plus moins b, voilà la colonne. Elle dit la colonne Elle dit, c'est une autre colonne. La colonne de a moins b, il y a. La colonne de a plus moins b, elle Voilà la colonne. Voilà. Regardez, qu'est-ce qu'il y a ici Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a On a, euh, on va comparer. Hein? On va observer cette colonne, cette Regardez bien. Vous allez constater que moins 7 ici, moins 7 ici. Plus 3 et 3. On a déjà dit que plus 3 et 3, c'est la même chose. Hein? Moins 2 et moins 2. Moins 1, moins 1. 3, plus 3. Donc, on constate que cette différence-là, elle sait de oui, la somme. Hein? Donc euh, On va formuler On va essayer de formuler le résultat observé Là on va donner une règle de, de comment on effectue La différence de deux nombres euh, De deux nombres euh, Décimaux relatifs Donc regardez bien Essayez de réfléchir un petit peu Donc, donc On a en fait Qu'est-ce qu'on a trouvé On a trouvé que On a trouvé que A moins B égale à A plus moins B. C'est une propriété très, très importante. Hein? Elle dit, il y a la règle de la soustraction. Comment on effectue la soustraction Donc, pour effectuer une soustraction, donc, on dire une somme. C'est-à-dire, A moins B, c'est quoi c'est la somme de A et l'opposé de B. Hein? Il a un deux de, de décimaux relatifs. Vous avez l'opération de la soustraction. Nous avons la somme. Comment A moins B est égal à A plus moins B. Alors, imaginez que qu nous avons A moins B est égal à A plus B. A moins B égal à A plus moins B. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, maintenant, dit 5. Euh, Moins 7. Euh, 7 moins, moins 9, par exemple. Donc, si je veux appliquer cette, cette règle, ça c'est une règle. Hein? La règle de soustraction. 7 plus. Donc, moins quand vous voulez plus. Plus quoi Et 9, je vais écrire quoi euh, 7 plus moins 9. Voilà. Maintenant, si on a l'addition, il y a la somme quand tu prends la règle de la somme. C'est quoi la règle? La somme de deux nombres qui ont des signes contraires. Euh, le signe, c'est quoi? Le signe, c'est le... Euh, le résultat doit être un nombre négatif parce qu'il doit avoir le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro, c'est-à-dire moins 9. Et moins 9, c'est lui qui a la plus grande distance que, que 7. Donc, moins. Et on soustrait ces deux nombres, donc on va avoir 9 moins 7, c'est 2. Donc, 7 moins 9 égale à moins 2. Et si vous vous souvenez, la y a quatre croix là. Quand on trouve que c'est 7, ou lève le 5, primaire, 7 moins 9 est impossible. Maintenant, c'est possible. Quand c'est Maintenant, c'est possible. 7 moins 9 égale à moins 2. C'est pas 2, mais c'est moins 2. Mais lorsqu'on dit 9 moins 7, c'est normal, hein? 9 moins 7, les il y a 9 supérieur à 7. 9 7, ça va donner, ça va donner 2. Donc, on, on passe maintenant à la formulation. bien de, je vais vous présenter ça dans des propriétés et des exemples. Donc, euh, voici la règle qu'il qu faut retenir. La règle 5, que dit cette règle? Soit A et B deux nombres décimaux relatifs. Deux nombres quelconques, hein? Quelconque, j'ai dit, on a A moins B égale A plus moins B. D'une autre manière, si on veut calculer la différence, c'est-à-dire euh, euh, la soustraction de euh, effectuer la soustraction de deux nombres décimaux, qu'est-ce qu'on fait? on transforme qu'un houlot, elle dit que la, la différence, en une somme. regardez. mais b, on écrit l'opposé de b. donc b, donc c'est-à-dire la différence entre deux nombres. Euh, tout simplement, la différence entre deux nombres décimaux relatifs, c'est quoi? c'est la somme du premier et de l'opposé du deuxième. Donc, l'opposé du l ten Donc, on va voir des exemples ici pour vous illustrer ça. Plus 5. Vous savez tous que plus 5, c'est 5. C'est la même chose. Plus 5, moins, plus 3. Ici, qu'est-ce qu'on a On a une soustraction. Donc, pour appliquer cette règle, qu'est-ce qu'on va faire on va transformer la soustraction en une addition. Donc on va dire plus 5. Regardez, le premier, on le laisse tel qu'il est. Donc la soustraction devient une addition. Plus 3, ça va devenir l'opposé de 3. Ce B-là, il devient moins B je dis et je répète lorsque on dit moins b ça veut dire et moins b ça veut dire l'opposé de b donc l'opposé de plus 3, c'est moins 3. voilà donc ici c'est quoi ça c'est l'addition c'est la somme de deux nombres de signes contraires c'est quoi la règle la somme de deux, de deux nombres de signes contraires on écrit le signe on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro. C'est ça ce qu'on a vu dans le premier paragraphe. Euh, vous pouvez y revenir. c'est très important. Là, l'image, la l'addition, la soustraction. Celui qui ne maîtrise pas l'addition de deux nombres, de deux nombres décimaux relatifs, il ne peut pas assimiler la soustraction. La même que j'ai fait, la soustraction. la la somme. L'addition la, la, m'a dit, tu même la soustraction Donc c'est ça les mathématiques hein? Donc il faut d'abord maîtriser l'addition Donc voilà l'addition Donc qu'est-ce qu'on a dit On garde le signe du, du nombre qui a la plus grande distance à 0 C'est-à-dire plus Et on soustrait la plus petite distance de la plus grande Donc 5 moins 3, ça va donner 2 donc, le résultat c'est plus 2. Regardez ici. Vous allez constater que je travaille uniquement avec les mêmes nombres. Il faut les Je ce qui se passe pour savoir ce qui se passe. Hein. Donc, ici c'est l'addition. Ah, donc, pas de problème. Donc, ici je vais appliquer directement la règle. Donc, la règle de l'addition. Il a de l'addition, on a l'addition directement. Euh, sauf si je veux, par exemple, ici. L'addition de ce nombre est celui-là. Le voilà. Donc, ici, je vais, hein, je vais mettre un moins ici. Donc on, va moins. Donc, on va travailler avec moins 5 moins moins 3. 5 moins moins 3. Donc, c'est la soustraction ici. Donc, je vais transformer la soustraction en une addition. Donc, je donc 5, je vais écrire 5 ou bien plus 5, c'est pareil plus, donc moins la plus, moins 3, radinouli de l'opposé, moins 3, radinouli plus 3, donc radinouli plus 3, c'est à dire 3 tout simplement, ra plus 3 ou a 3 donc je vais avoir 5 plus 3 égale à, égale à 8, tout simplement regardez ici moins 5 moins plus 3 je vais transformer il la, aime la, la différence en une somme. Donc je vais écrire moins 5. Plus. Celui-là, c'est l'opposé. Je vais écrire l'opposé de plus 3. C'est moins 3. Ah, voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? On a deux nombres qui ont le même signe. La somme de deux nombres qui ont le même signe. La règle, c'est facile. Je garde. C'est le signe des, des deux nombres. C'est le signe commun. Le signe qui est le même. Moins. Et je euh, j'additionne les distances. J'additionne les. les distances, le message c'est fait. Moins 8. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a moins 5, moins, moins 3. Voilà la soustraction. Je vais la transformer en une addition par la règle. Donc moins 5, ça va donner combien? Plus. Quoi? Plus 3. Donc, elle dit a l'addition, elle à l'opposé. Donc, qu'est-ce que, qu que j'aurai On aura quoi La somme de deux nombres, de signes contraires. Donc, je vais écrire le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro, c'est moins. Et la différence entre les deux nombres, 5 et 3, c'est, ça va donner 2. Tout simplement. Maintenant, donc maintenant, je vous invite. À faire donc ici il y a une règle aussi qu'on va voir qu'on appelle la règle des parenthèses. Comment on supprime les parenthèses. Donc je vous invite cette cette activité là et n'est pas dans le manuel. L'activité à m'écouter. Mais qu'est-ce que vous allez faire bien sûr Ici, vous, allez, vous avez A et B. Par exemple, vous avez A c'est moins 2, B c'est 3. Vous allez compléter cette ligne. Et lorsque vous avez A égale à 5 ou B moins 7, vous allez euh, remplir cette ligne. C'est quoi cette ligne Donc, qu'est-ce qu'il y a dans, dans cette ligne-là Radix, vous avez A. Il a a A et moins 2. Il a moins A. C'est quoi moins A C'est l'opposé de A. Il a est a B ou A3. Il vous moins B. Ici je vais écrire A plus B. A, a A B. Je vais écrire ici la somme. Ici c'est quoi? C'est moins la somme de A plus B. C'est-à-dire l'opposé de A plus B. L'opposé de A plus B. A ou A plus B. And I c'est l'opposé. L'opposé du l'O. Il y a qu'un A qu un o positive, l'opposé A couple négatif. Il a qu'un O négatif, l'opposé a coupé positif. Ici, je vais écrire l'opposé de A moins b c'est moins a au c'est moins b donc à euh, dire la différence mais bien moins a et moins b et comparer moins a plus b donc euh, après vous allez vous allez vous allez, euh, vous allez euh, comparer cette colonne là et cette colonne là le nombre de cette colonne et la on ici 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 donc vous allez chaque fois euh, vous allez dans chaque cas, vous allez euh, comparer l'opposé de A plus B et moins A moins B. Et vous allez conclure quelque chose. Et je vous laisse pour faire cette activité. Donc euh, maintenant, je vais, euh, je vais répondre. Si A est égal à moins 2, c'est quoi moins A Moins A, c'est l'opposé de A. Donc on aura moins A, c'est plus 2. Si B est égal à 3, c'est quoi moins B? Moins B, c'est l'opposé de B, c'est-à-dire l'opposé de 3. C'est moins 3. Ici, je vais calculer A plus B. C'est quoi A plus B? Je vais calculer A plus B. Voilà A et voilà B. Moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3, vous pouvez vérifier. On doit avoir, on va avoir 1. Ou bien plus 1. Donc si vous, on additionne moins 2 et 3, on aura 1. Ici, on a A plus B. Voilà A plus B. C'est quoi ça Moins A plus B, c'est-à-dire l'opposé de A plus B. Donc c'est moins 1. Puisque A plus B c'est 1, donc le son opposé c'est moins 1. Ici, ah, j'ai oublié. Ici encore, c'est quoi moins A Moins A, c'est 2. Ou bien plus 2. Moins P, moins P c'est-à-dire moins 3. Ici, il s'agit d'une soustraction. Faites attention, on a plus 2, moins 3. On vient de voir ça, la différence, on aura besoin de la différence. Donc, comment on effectue cette différence On va écrire 2, plus, moins 3. 2 plus moins 3, ça va donner combien Ça va donner moins 1. Donc on aura moins, moins 1. La même chose ici, regardez. L'opposé de A, ça va donner moins 5. L'opposé de B, ça va donner 7. A plus B, c'est-à-dire A plus B, ça va donner moins 2. L'opposé de A plus B, ça va donner 2. Et si vous calculez, je vous laisse pour calculer ça. Moins A moins B, vous allez trouver 2 aussi. A dit le il y en a 2. Moins 6, si A égale à moins 6, l'opposé de A, c'est 6. Si B est égale à moins 9, l'opposé de B, c'est 9. A plus B. Donc, on va additionner A et B. A dit moins 6, et moins 9. C'est la somme de deux nombres qui ont le même signe. Donc on va avoir moins 15. Elle dira mourrage. L'addition et la soustraction. On aura moins 15. L'opposé de moins 15, ça va donner combien Ça va donner euh, 15. Et ici aussi, moins A moins B, vous allez trouver que c'est 15 aussi. Donc vous pouvez vous pouvez euh, vérifier ça. Donc vous allez constater que chaque fois. Hein? qu'on calcule moins a plus b, moins a moins b, on, toujours, on trouve toujours le même résultat. Vous voyez qu'ils sont égaux. C'est-à-dire, ce qu'on peut conclure, c'est que moins a plus b égale a moins a moins b. Donc, faites attention. Donc, pour supprimer une parenthèse, c'est ça ce qu'on va dire. Pour supprimer une parenthèse précédée d'un signe moins, donc euh, là, les parenthèses, les parenthèses. il ne faut pas jouer avec les parenthèses. Donc, pour supprimer une parenthèse, euh, on peut supprimer une parenthèse précédée d'un signe moins, à condition de regarder, de changer les signes. Donc, c'est donc, ça ce qu'il faut retenir aussi. On appelle ça la règle des parenthèses et si on a plus ici on n'a rien à changer donc il y en a plus euh, avant a plus b on va, je vais vous donner des exemples bien sûr donc vous, il n'y a rien à, à changer donc c'est ça la règle qu'il faut retenir donc euh, voici la règle qu'on appelle règle des parenthèses règle numéro 6 soit A et B deux nombres décimaux relatifs on a moins parenthèse A plus B égal à moins A moins B c'est ça ce qu'on vient de voir on a montré ça ou bien on a, euh, on a euh, trouvé ce résultat là d'après l'activité euh, de tout à l'heure ici c'est la même chose seulement ici on a a-B euh, entre parenthèses. Toujours, il est précédé d'un signe moins. Regardez, ici, il est précédé. Il est précédé d'un signe moins. Regardez, qu'est-ce qu'on a écrit Qu'est-ce qu'on va écrire Moins A plus B. C'est-à-dire, on va changer les signes des termes qui sont entre parenthèses. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Autrement dit, lorsqu'un signe moins précède une parenthèse, on peut supprimer la parenthèse à condition, à condition de changer les signes des termes de la parenthèse. C'est-à-dire, il y a Lorsqu'un signe moins précède une parenthèse, moins, le signe moins, on dit moins. On dit une parenthèse. Yeah? On peut supprimer la parenthèse. On peut supprimer la parenthèse mais à condition de changer, changer les signes, les échardes les termes ou de la parenthèse, c'est-à-dire, par exemple, on dit moins ici j'ai a plus b par exemple moins c plus d par exemple, Donc, les termes, les termes ils sont séparés d'une un, addition ou d'une soustraction, donc ici, je peux supprimer cette parenthèse là, de la parenthèse, à condition qu'est-ce que je vais écrire A, il va devenir moins A. Regarde. Plus B, il va devenir moins B. Moins C, il va devenir plus C. Plus D, il va devenir moins D. Et ça, on l'applique uniquement lorsqu'on a une parenthèse précédée d'un signe moins. Mais si on a le signe plus, on n'a pas parlé de ça ici. C'est-à-dire on supprime les parenthèses sans rien faire. C'est-à-dire on écrit ce qui est entre parenthèses. Voilà. Un exemple, ou bien des exemples. Supprimons les parenthèses. Et là, la question, c'est de supprimer les parenthèses. Regardez. On a une parenthèse qui est précédée d'un signe moins. Qu'est-ce qu'on va écrire Pour supprimer cette parenthèse-là, d'après cette règle, on va écrire moins 4 plus A. Pour supprimer cette parenthèse maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire Moins 2, il va devenir 2, ou bien plus 2. Plus 5, il va devenir moins, moins euh, plus x il va devenir moins x ici a il va devenir moins a moins b va devenir plus b moins c il va devenir plus c tout simplement mais n'oubliez pas que ce genre de ou bien cette propriété là cette règle il est très très utile et surtout dans ce qu'on appelle le calcul littéral après les On va utiliser souvent les les On va utiliser les lettres dans les calculs On va utiliser les lettres dans les calculs Donc ça suffit pour cette partie là Et à la prochaine Vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 3 de notre leçon Addition et soustraction des nombres décimaux relatifs, on va voir distance entre deux points à partir de l'activité 3, page 71. Et finalement, on va voir l'addition de plusieurs nombres relatifs. Si vous n'êtes pas encore abonné, Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.